Je m'appelle Priscilla, je suis technicienne de maintenance chez Oran ODS sur le site de la Hague. Ça consiste à maintenir les équipements sur les différents bâtiments du site. Concrètement, on intervient en tant que contrôle commande, en tant qu'électricien, en tant que mécanicien. On peut intervenir aussi sur des équipements pneumatiques, électroniques. On fait aussi des diagnostics sur les automates. C'est très varié. Aujourd'hui, on intervient sur T7 avec un télémanipulateur. C'est un bras articulé où on est devant un hublot et on travaille sur des équipements qui se trouvent en zone rouge. Parfois, on est obligé d'intervenir sur des équipements qui ont été en contact d'éléments radiologiques. On est obligé du coup de s'équiper de tenues spécifiques, comme la marque 95. J'ai appelé Pascal et du coup... Mais ça fonctionne pas, donc pour changer le variateur. On travaille pas seul, on est toujours accompagné. Les procédures sont hyper strictes. La sécurité, elle est partout, à tout moment de l'intervention. C'est la priorité numéro 1. Il y a une superbe ambiance dans l'équipe. On plaisante, on est sérieux quand il faut l'être, puis on se complète bien, que ce soit au niveau des compétences et au niveau caractère aussi. On s'entend super bien. Ils sont même venus manger à la maison. Écoute, nickel, ça fonctionne, ça tourne, impeccable. Le plus important, c'est la sociabilité et la motivation. Quand on s'entend bien, on bosse bien, et quand on bosse bien, on est en sécurité. Et c'est ce qu'on recherche. Voilà, donc ça s'est bien passé. J'adore mon métier, parce que je suis vraiment dans tout ce que j'aime faire, en fait. Le fait de travailler avec des tenues spécifiques, de toujours aussi faire attention, avoir une attitude interrogative. On n'a pas le droit à l'erreur. On doit toujours être à la perfection, au top. C'est pour moi, c'est tout ce que je recherchais, en fait. En cas de problème, en fait, il faut que nous, on intervienne assez vite parce que sinon, ça arrête la production et ça engendre des coûts énormes. On est un peu les urgentistes du nucléaire. C'est tout ce qui me botte. Il y a renseigné tout ce qui était un peu d'AGMAO, tout ça. Maintenir les installations pour qu'elles ne s'arrêtent jamais, ça, c'est mon job.